gum kenen thawai du khadi jum fenen de tula gum de gum kenen thawai du khadi jum fenen soxna la bop kaddu gi ya ko yem lol monsieur le maire abdou aziz pay soxna la bop kaddu gi ya ko yem lol way wa gel tapé fa solo ban nenou affaire bi yow la yangi di gey wolé ko garanti que nous faisons au niveau de la commune de Gretap et Fass-Colombal
en mettant en place un réseau pour qu'on puisse faire passer l'information et la faire circuler rapidement. Et en termes de formation aussi, je pense que les femmes de la commune ont beaucoup bénéficié des formations dans le cadre de la bonne gouvernance. Je vous dis tout simplement que la parité chez nous, à la commune de Gueutapé-Fass-Colomban, n'est pas un vain mot. Nous avons 66 conseillers. Sur les 66 conseillers, on a 35 conseillers femmes. Bravo. Nous avons toujours dans ce conseil municipal un bureau municipal qui est composé de 3 femmes et de 2 garçons. Donc pour dire que la femme, nous en avons fait une priorité. Donc quand on voit une agence du système des Nations Unies qui vient nous accompagner dans ce cadre-là, nous ne pouvons que dire merci encore une fois de plus. C'est juste pour tomber sur une femme qui, dans le cadre de leadership, a pu former nos femmes dans ce cadre-là, en leadership politique, en leadership de management et autres. Et je crois que les formations vont continuer. Et je crois que nos femmes n'ont rien à envier aujourd'hui aux autres femmes, aux autres femmes. Revenons sur les dates. Je parlerai de l'UNICEF, qui, dans le cadre de l'éducation, nous accompagne énormément. Parce que nous avons ici, dans cette commune, un taux d'escolarisation au niveau de l'élémentaire qui tourne autour de 95% de taux d'alphabétisation. Mais nous nous sommes rendus compte qu'arrivés à certains niveaux, les enfants quittent les établissements scolaires pour aller parler à autre chose. Et depuis que je suis là, nous travaillons avec l'UNICEF dans ce qu'on appelle le ELIA, l'IF, le Dakar Plateau, dans ce qu'on appelle les classes passerelles. Essayer de récupérer les enfants qui sont sortis du système académique scolaire pour les former pendant les vacances scolaires et les remettre dans le système éducatif. Aussi aller chercher les enfants qui ont 16, 17, 18, 19 ans pour essayer de les ramener dans le système dans le cadre de la formation. Parce que nous avons ici, dans notre commune, la chance d'avoir l'un des lycées techniques les plus modernes du Sénégal et qui fait à peu près 450 formations professionnelles dans les métiers de la mécanique, de l'agriculture, de l'artisanat, de la couture, etc., etc. Et nous essayons de les remettre dans le système-là pour les accompagner dans le financement. Et pour parler des Dara uniquement, il n'y a même pas 3 ou 4 jours. Parce que nous voulons sortir les enfants des Dara d'Aïri. L'UNICEF nous a accompagnés dans le financement des groupements d'intérêt économique qui sont pilotés au niveau de ces Dara-là pour le financement afin de développer des activités économiques qui permettent à ces Dara-là de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir évoluer normalement. J'en viens à l'UNICEF, l'UNICEF, qui nous accompagne dans le pacte économique de l'autonomisation économique des femmes. Et je crois qu'en visitant hier le marché de Soumédiou, où les femmes marchandes commençaient leurs activités de 18h et les terminaient à 20h, si on a un partenaire, une agence des Nations Unies qui vient ici, pour nous accompagner dans ce cadre-là, pour leur donner des conditions idéales de travail, afin qu'elles puissent travailler 8 heures ou 10 heures selon leur convenance, dans des conditions optimales. Je pense que ça, c'est un effort à saluer. Nous avons commencé le projet et nous devons normalement, comme je l'ai dit hier, essayer de terminer la première phase d'ici le 31 octobre. Il restera peut-être la deuxième phase. Et sur ce, je me permettrai de faire un plaidoyer, parce que le projet porté plus ou moins sur une valeur globale estimative de $400 000,
Ils nous ont accompagnés jusqu'ici. On en est à presque 90 000 dollars. Si ensuite on peut nous aider à pouvoir améliorer ces conditions-là, nous ne dirons pas non. Ça aussi, je pense que je tenais à le dire. Mais ce que je cherchais à dire à travers mes propos, c'est que nous voulons que cette commune de Gretafe fasse Colomban soit la vitrine du système des Nations Unies, non seulement dans le Sénégal que nous vivons, mais à travers l'Afrique dans sa globalité. Que nous puissions servir d'exemple pour montrer aux autres contrées, pour montrer aux autres communautés qu'il est possible, dans le cadre d'un partenariat avec le système des Nations Unies, de vaincre les difficultés du moment, de créer les conditions de développement économique, social et culturel, d'enseigner, de transformer, de développer, de relever et de mettre les nations au firmament des nations les plus grandes du monde. Encore merci une fois de plus. Je ne saurais utiliser un autre mot. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.